Bonsoir à tous et merci d'être ici. C'est un bonheur énorme pour nous de rejouer en public depuis quelques semaines. Et voilà, donc on vous tenait vraiment à vous le dire. Et là, on voit une salle quasi pleine et c'est vraiment un bonheur. Donc ce soir, nous vous proposons avec Anastasia un programme autour de l'Espagne et de Paris et des liens qui existent entre les deux. On va commencer avec deux danses de Enrique Granados. Et on est un petit peu aux origines de la musique espagnole, au moment où, comment dire, cette école nationale renaît. Donc il a publié cet opus avec 12 danses quand il avait presque 30 ans, mais lui a toujours affirmé les avoir écrites quand il en avait 16. Donc il était très jeune. Et effectivement, c'est des pièces qui sont d'une grande simplicité, mais vraiment d'une grande beauté. On va commencer avec l'Oriental, qui est une pièce vraiment très douce. On est vraiment dans le rêve. Et on va enchaîner avec l'Andalouse, qui est un petit peu plus terrienne. Voilà, donc deux danses de Enrique Granados.
Je vous rassure, Anastasia ne va pas partir très longtemps. Donc, je vais enchaîner avec deux pièces pour guitare seule. Enfin, plus exactement, la première n'est pas écrite à l'origine pour la guitare seule, mais pour le piano. Il s'agit donc d'Asturias. Je suis certain que vous connaissez tous cette pièce par cœur. Donc, une pièce écrite par Isaac Albéniz, qui, comment dire, dans cette suite espagnole, il décrit un petit peu toutes les régions d'Espagne. Et là, il se concentre sur le nord, donc dans les Asturies. C'est une pièce vraiment très connue, hein, je pense que vous l'avez dans l'oreille. Et je vais enchaîner avec une pièce d'un compositeur que j'aimerais vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas déjà, Federico Moreno Torroba, donc compositeur espagnol, bien évidemment, qui, de son vivant, a été très connu pour écrire des zarzuelas, qui sont des, voilà, des sortes de mini-opéras avec beaucoup de danse populaire. Et donc, il excellait vraiment dans ce style-là. Il a écrit beaucoup pour la guitare, évidemment, puisque la guitare, c'est l'instrument traditionnel par excellence en Espagne. Il a écrit ce fandango, qui est, que je trouve, comment dire, qui a énormément d'humour, il y a beaucoup d'ironie. Bon, c'est évidemment une danse populaire, mais il se passe beaucoup de choses et on reconnaît vraiment le compositeur de zarzuela qu'il était. Voilà, donc Asturias, puis Madroños de Torroba. Thank you.
On va jouer maintenant du Villa-Lobos, compositeur brésilien mais qui a vécu à Paris et qui a étudié donc l'harmonie avec Nadia Boulanger et qui, comme beaucoup de compositeurs, a enrichi son style qui était voilà, vraiment brésilien, vraiment de sa culture, avec une certaine manière d'aborder la musique en France, une certaine manière d'écrire. Il a beaucoup composé pour la guitare, même s'il n'était pas guitariste. Donc on va vous interpréter deux hommages. Donc le premier, ce sera une pièce pour guitare seule, le prélude numéro 1, qui est un hommage au violoncelle. Donc vous pourrez apprécier vraiment la sonorité mélodique de la guitare dans le grave et dans le médium. Donc il a voulu, voilà, vraiment rendre hommage à... Il a essayé d'imiter le violoncelle avec la guitare. Et ensuite, donc, la Paquenas Brasileiras numéro 5, qui est un hommage à Bach. Et comme toujours, quand Villa-Lobos écrit pour la guitare, on est toujours dans la sensualité, dans la nostalgie. Et c'est toujours une musique très très colorée. Voilà, donc les deux pièces de Villa-Lobos, prélude numéro 1, puis la Paquenas numéro 5. Thank you.
On va terminer cette première partie avec Astor Piazzolla, donc un compositeur argentin que vous connaissez, j'imagine, qui a beaucoup écrit, qui a quasiment créé un style à lui tout seul qu'on appelle le tango nuevo. On va vous jouer un extrait de l'histoire du tango qui est presque une introspection de la part de Piazzolla. Chaque tango représente vraiment une époque de sa vie et de sa vie d'artiste, de compositeur, mais aussi en tant qu'être humain. Et donc on va vous jouer le deuxième, Café 1930. Donc là, on n'est déjà plus dans le tango populaire. Hein. On est dans une pièce qui s'écoute, c'est une pièce très romantique qui s'écoute vraiment sur une terrasse de café, voilà, au soleil. Et c'est, comment dire, on est très loin d'une danse frénétique, même si, comment dire, il y a toujours cette sensualité dans la musique de Piazzolla. Café 1930 d'Astor Piazzolla.
Chers festivaliers, nous vous informons qu'une séance de dédicace aura lieu à la fin du concert. Par ailleurs, concernant la suite pour Björnson et Gaspard Cassano, nous vous demandons de ne pas applaudir entre les mouvements, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons accueillir Thierry Esquèche qui va vous présenter sa création mondiale, la Folia, pour Björnson solo. Bonjour à tous. Ben voilà, ça sort du cœur. Alors juste un petit mot sur cette pièce pour violoncelle, alors que j'avais écrite l'an dernier, et donc qui a succombé aussi au Covid et qui est jouée cette année. Et Pascal Iskand m'a fait le plaisir de me remettre en résidence. Donc cette année, on fait des longues aventures avec le Festival d'Auvergne depuis l'installation de l'orgue et autres. J'ai eu la chance de collaborer et j'en suis toujours vraiment ravi. Alors cette pièce, pour ceux qui étaient peut-être là hier soir, si certains, il y avait une sorte de tome 2 hier soir. Il y avait Dopo la folle. C'est-à-dire effectivement une sorte de suite. Vous savez, il y a dans l'histoire de la musique, beaucoup de compositeurs ont pris des thèmes comme ça qui avaient été conçus par certains, et des thèmes assez simples en général, qui ont parcouru les siècles. Et c'est un thème grégorien, le dies irae, certains thèmes. Là, en l'occurrence, c'est un thème baroque, qu'on attribue à Marin Marais, que tout le monde connaît plus ou moins, mais qu'on attribue aussi à Corelli, qui a parcouru d'ailleurs l'Europe. Et tout le monde a fait des sortes de variations sur ce thème de la folia. Et beaucoup s'en sont servis au XIXe siècle, même au XXe siècle. Et moi, j'ai toujours trouvé assez beau de s'emparer d'un héritage comme ça, d'une carrure harmonique souvent très simple. Hein. Et puis, à chaque fois, à chaque étape, quand il est repris à d'autres siècles, et quelquefois en musique contemporaine aussi, eh bien, chaque compositeur y apporte sa personnalité, donc le transforme, cet héritage, et puis le passe à d'autres. Pour moi, c'est le symbole de la composition. On s'ancre, on prend un héritage, on le transforme et on le passe, on tend la main à d'autres qui nous suivront. Et donc c'est bien quelquefois d'avoir des thèmes comme ça qui parcourent l'histoire de la musique, c'est un grand choral de Bach ou autre. Et là c'est ce petit thème de la Folia que j'ai fait donc hier soir pour accordéon et trompette. Là, ce soir, c'est une courte pièce pour violoncelle. Et puis je continuerai, je sais que j'ai déjà un projet de faire une pièce pour ensemble de cuivre, donc brass band, pour un ensemble allemand. Et je continuerai à traiter ce terme. Alors ce ne sont pas des transcriptions, ce sont des pièces différentes, mais d'autres variations. Et puis la dernière chose, c'est que c'est quoi ce thème? Et je suis assez content que ça figure dans ce programme, où vous avez beaucoup de musique espagnole, parce que c'est une pasacaille, en fait. C'est un thème assez lent à trois temps. Et la pasacaille, là, c'est une danse espagnole. Une danse sur lesquels se greffent des variations de plus en plus rapides. Et vous allez voir, c'est ça, ce qui se passe dans cette pièce. C'est un enchaînement de variations, ça atteint une sorte de sommet, et puis après, ça retombe dans le néant. Et à chacune de ces variations, ben, le compositeur essaie d'exploiter les possibilités de l'instrument, les beats, vous allez voir, des doubles harmoniques. Alchompa, Anastasia, c'est sûr que la pièce est courte, mais c'est intense, vous allez voir. Et en même temps, j'essaie de raconter, c'est pas seulement des variations, c'est raconter à travers ces variations une histoire, avec un sommet, avec des moments de, au début, vous allez voir, c'est une sorte de brume, et puis ça prend forme, il y a une sorte d'ostinato qui se met en place, et puis ça se détruit progressivement, et puis quelquefois, vous entendrez même comme deux instruments. Il y a deux choses qui se passent en même temps, pourtant c'est un violoncelle, mais j'essaie de lui faire dire deux choses en même temps. Donc voilà, je vous laisse écouter cette folia, donc issue d'un thème de Marin Marais. Bonne écoute.
Bonsoir aussi de mon côté. Je suis très très heureuse d'être là et finalement partager la musique avec vous parce que la musique existe dans le moment quand il y a musicien et le public. Sinon, c'est très silencieux sur le papier. Et je suis très heureuse de faire cette première de pièce de Monsieur Esquech parce que je pense que le répertoire de violoncelle va avoir ce trésor de cette magnifique pièce qui est vraiment, j'ai adoré travailler. Merci beaucoup pour cette chance et aussi à Florence et Pascal Escant. Et la prochaine pièce, c'est de Gaspard Cassadon. Ensuite, pour violoncelle solo. Et il est né à Barcelone et à l'âge de 9 ans, il a joué pour Pablo Casals, qui à l'époque, il a découvert les suites de Bach et il commençait de jouer. C'était 200 ans que les suites de Bach n'étaient pas jouées. C'était pensé que juste un truc pour travailler les techniques, pour travailler à la maison, mais pas pour partager avec le public. Et Gaspard Cassadon, il déménage à Paris pour prendre les cours avec Pablo Casals. Il a aussi fait connaissance à Manuel de Falla, à Maurice Ravel, et il commence à composer les choses pour violoncelle. Et parce qu'il est lui-même un merveilleux violoncelliste. Il connaît très très bien les techniques, tous les petits trucs sur violoncelle. Donc il écrit à l'âge de 25 cette suite qui est aussi un peu inspirée par la forme comme suite de Bach, la danse, oui, à la basse de cette suite. Mais bien sûr, c'est l'esprit espagnol. C'est trois mouvements, et le premier mouvement, c'est Preludio, comme le début de celui de Bach, Fantasia. Deuxième, c'est Sardana, et le troisième, c'est Finale. Bonne écoute.
Donc après Cassado, ébouriffant, on va vous interpréter donc ces très célèbres chansons de Manuel de Falla, qui sont vraiment un grand classique de la musique espagnole. Chaque pièce nous fait voyager dans une région différente de l'Espagne. Donc il y a une rota, on va aussi en Andalousie, il y a une berceuse, et ça termine avec Polo. Toutes les chansons parlent d'amour. Mais ce n'est pas toujours un bel amour. C'est parfois la séduction, parfois c'est la tendresse, et parfois c'est la colère aussi. Et ça termine d'ailleurs par la colère. Donc les 7 chansons populaires de Falla.
On va terminer ce programme, toujours avec Manuel de Falla, dans un extrait de son opéra La vie brève. Donc c'est la première danse espagnole, c'est une pièce très connue. Et donc évidemment, l'histoire dans cet opéra, c'est toujours une histoire d'amour, ça se finit toujours tragiquement. Et donc c'est assez drôle, parce que c'est un petit peu l'inverse de Carmen, parce que c'est la belle femme gitane qui se fait avoir cette fois-ci. Voilà. Donc La vie brève de Manuel de Falla. Thank you.
beaucoup. C'est un grand bonheur d'être aujourd'hui ici dans les Mairies sur Oise. Merci beaucoup pour nous accueillir. Et je voulais dire que Gabriel, ce soir, est un grand héros. Parce que demain, hier soir, à 13h, à cause de notre fameuse maladie, malheureusement, j'ai perdu les guitaristes. Et donc, j'étais tellement paniquée parce que ce programme est tellement rare. Pas chaque guitariste peut jouer ça. Et donc, j'ai eu grande chance que Gabriel a été disponible et voulait faire un pied levé de remplacer. Merci beaucoup. Aussi, je voulais remercier, bien sûr, Florence et Pascal Escant et toute l'équipe de festival, les vidéo-équipes qui, grâce à eux, on peut avoir plus de public ce soir. Et on a préparé quand même un petit truc. Merci à tous, et cette fois-ci vraiment pour finir, parce qu'en deux jours, je ne peux pas tout jouer quand même. On va vous interpréter pour finir donc une pièce de Gabriel Fauré, une chanson que j'adore, qui s'appelle Les Berceaux. Et donc c'est comment dire, c'est les marins qui s'en vont et les femmes qui les voient partir comme ça, qui sont désespérées. Et il y a ce rythme de l'accompagnement qui rappelle vraiment la houle. Voilà, c'est une des plus belles mélodies de Fauré, je trouve. Donc, les berceaux.